mon Jordan, l'excitation est à son paroxysme. M'Kolo Horror Show ouvre ses portes et le feu d'artifice commence d'une seconde à l'autre. Le suspense est insoutenable. Spectacle est terminé, un grand bravo à toutes les équipes, merci, merci aux visiteurs de vous être déplacés, j'en perds mes mots, c'est incroyable ce que nous venons de vivre, vous allez pouvoir rentrer dans le parc, les visiteurs sont autorisés, sont invités à se joindre et à se précipiter dans le calme bien sûr, devant les guichets, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous à M'Kolo Horror Show, le parc d'attractions horrifiques pour Halloween, bonne nuit à toutes et à tous. Et c'est parti en direct les amis, le premier visiteur qui rentre dans le parc les amis, je suis très excité et nous avons énormément de monde qui arrive les amis. Ah là 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 là, le parc d'attractions Planet Coaster M'Kolo Horror Show ouvre ses portes et aujourd'hui les amis nous allons un petit peu regarder le comportement des gens, voir un petit peu ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont apprécier, ce qu'ils vont moins aimer. Et attendez, on a déjà perdu le premier visiteur, il est ici, il se promène, c'est le tout premier visiteur. Les amis, il s'appelle comment? M'Kolo? What? Mais c'est moi! Attendez, je découvre... En fait, je crois que je découvre Planet Coaster, les gars. C'est moi? Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai renommé. Je pense que c'est une fonctionnalité... Ah oui, il n'y a pas des amis genre... Troy Funk, je connais pas. Je crois qu'il y a les amis Steam, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, regardez, c'est la colue. Je ne sais pas si ça se dit, mais regardez tout ce monde. Oh, regardez tout ce monde qui arrive, évidemment... Les capacités du parc sont immenses hein, avec pas mal d'employés. Même si le parc est pas non plus si grand que ça. On va se régaler les amis. Déjà, j'espère que vous avez kiffé. D'une première part, le feu d'artifice, je me suis régalé. Et puis tout le montage qu'il y a eu autour. En tout cas, les spectateurs ont adoré. Voilà, donc là maintenant ça y est, ils ont pu rentrer convenablement. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient là mais c'était barricadé. Et voilà, maintenant ils ont pu franchir vraiment les portes comme il fallait. Alors ils sont tous là en train de se promener, c'est beau. J'ai des employés évidemment qui cherchent un petit peu les endroits à aller ici et là. Oh, sensation, sensation, les manèges. Les manèges qui se chauffent un petit peu. Là, il n'y a encore personne. Les employés qui cherchent leur endroit. Donc tout est ouvert, hein. Tout est ouvert. Je sais pas si je vous avais montré ici ce petit coin arnaque. Voilà, les gens peuvent... faire ces petites attractions hein, les machines à pinces comme on dit finalement et puis ça c'est les trucs de voyants. C'est assez sympa. Et ça va bien avec le thème je trouve. Donc voilà, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Les gens ne se précipitent pas trop haut. Écoutez, pour le moment ça a l'air d'aller. Les boutiques, ça y est, les vendeurs sont en place. Ça se bouscule pas trop. Les gens prennent leur temps. Ils ont bien raison puisqu'ils ont toute la nuit pour profiter un petit peu du parc. Alors je vois que ça commence à aller au Ghost Cemetery, le premier coaster. Et puis là, sur la droite, ça va se diriger, à mon avis, sur le manoir hanté. Et ça, c'est stylé. On vérifie d'ailleurs. Manoir hanté, ouais, tout à fait. Ils vont aller sur le manoir hanté. Ça va être bien sympa. Ça va être blindé de monde, les gars. Oh là 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 là, c'est magnifique. Les gens ne font que de rejoindre le parc, évidemment. Bon, évidemment, je les ai pas fait venir du parking, les gars. On n'est pas là pour ça. J'ai pas blindé le parking de voitures. Parce qu'à part perdre des FPS, franchement, ça ne sert à rien, soyons honnêtes. On est juste là pour kiffer. Regardez un petit peu, les. Je vous montre un peu ce que j'ai fait en off, comme vous pouvez le constater. J'ai ajouté plus d'éléments de détail, je suis assez content. Voilà, des fleurs, de l'herbe. J'ai fait, voilà,
des murets en pierre custom, petit sapin. Vous voyez les murets en pierre, voilà, qui permettent, voilà, les gens peuvent passer par ici. Donc voilà, tout ça c'est moi qui les ai placés à la main. Je suis assez content. Ici une petite pharmacie, des petits cailloux sur le teco. Là c'est pareil, hein, voilà, j'ai un petit peu habillé tout ça, tout simplement. Après pour le reste, je me suis pas, voilà, j'ai par manque de temps et de motivation aussi. Donc j'ai vraiment fait l'essentiel, quoi. Ok, donc ça se dirige au Ghost Cemetery. Regardez la queue qui arrive au niveau du cimetière. Voyons voir un petit peu ce qu'ils en pensent. La file d'attente ne me dérange pas. Tu m'étonnes, tes premières. Derrière, ça dit quoi? Alors, satisfaction. Pour le moment, elle est pas encore... Chantal Michel, pas encore tout à fait heureux. Le ticket d'entrée était raisonnable. Le prix du tour de Ghost Cemetery aussi. Super. Je suis content si les gens kiffent. Est-ce qu'il y en a qui vont faire la danse des sorcières? Oui. Les gens commencent à arriver à la danse des sorcières. Danse des sorcières coûte un bras. Eh, hey, les effets de lumière, ça coûte cher, hein, quand même, madame. Hein. Toi, tu sais pas ce que c'est, hein, ça se voit. Hein. Alors, les clowns tueurs, ça y est. Ça commence à faire un petit peu la queue. Qu'est-ce que ça dit par ici? Clown dance. Oui, c'est pas le clown tueur, pardon, c'est le clown dance. Ah, ils ont déjà faim. La vache, ça coûte hyper cher. Ouais, oh. C'est normal. C'est une première édition du M-Color Horror Show. Les gens ont l'air très très chaud là pour le clown tueur ici là. Les gens ont l'air très très chaud, ça dit quoi? Clown tueur, j'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Eh bah écoute, amuse-toi, fais pas chier. Je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau. Ok, ils sont tous passés devant les boutiques. Oh, un riche. Je ne veux pas acheter de souvenirs pour l'instant. Eh bah tu feras ça plus tard. Oh, quel rabat-joie. Quel rabat-joie. Est-ce que là... Ah, les flat rides, si, ça y est. Ça rentre dans le flat ride par ici. Ça rentre dans le flat ride. Ça, c'est une vue qui claque. Tu m'étonnes. Et pour le moment, ici, il n'y a personne. Pour le moment, ici, il n'y a encore personne. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir plus tard, je pense. Ils vont venir plus tard. Ok, voyons voir un peu au niveau du manoir hanté là-haut. Oh, la queue. La queue qui monte. Oh, la queue déjà. Oui, bien sûr. Mais c'est déjà la queue. Ils sont déjà partis. Alors, selon certains visiteurs, danse des sorcières coûte trop cher. Eh ben, ils ont qu'à pas y aller. Tout simplement. Frel. Font leur possible pour éviter d'être malade. Oh bah écoute, tiens-toi bien parce que là, ce parc est super. La file d'attente n'a pas l'air de piétiner. Bah c'est normal, t'es tout devant. T'as de la chance. T'as de la chance. Je sais pas si je vous avais montré les lampadaires custom ici que vous m'aviez dit donc dans la dernière vidéo. Donc je les ai placés ici. Oh, ils kiffent. Oh, ils ont fait ce chier dessus d'une barre. Incroyable. Et la queue commence à se remplir à une vitesse hallucinante. What? Ah oui, j'avais pas anticipé ça comme ça. Par là, ça commence à se remplir. Ils en disent quoi là? Pas besoin de faire la queue. Très bien, file d'attente rapide. Bon, on va voir à la sortie du coaster. Oh, le bilan de fin de mois. Alors, faut savoir les amis, regardez. Oh là là, 1000 balles. On a 1000 balles. Faut savoir que j'ai commencé à moins 5000$, hein, puisque du coup c'est du bac à sable. J'étais endetté, j'étais à moins 5000$. Donc là, on est sur une rentabilité... Plus. Parce que clairement. Oh, ah ouais, la rentabilité est incroyable. Au début, je voulais commencer à 0$. Et en fin de compte, je suis resté à moins 5000 parce que je me suis dit, on s'en fout. Et en fin de compte, eh ben, comme quoi. Des fois, faut s'endetter. C'est comme le GP Explorer avec Squeezie. Faut s'endetter, et puis après, vous allez voir, la moula arrive. Alors, la danse des sorcières, c'est trop cher, mais les gens font la queue quand même. Hein. Et ça vaut le coup quand même. Hein. Ça vaut le coup ce coaster. On a une petite queue ici pour le clown tueur. Est-ce qu'ils ont peur là de lui là? Le clown dance, pardon. La file d'attente, c'est un vrai régal pour les yeux. Clown dance, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Attends. Tu vas monter là, regarde. T'as l'air bien content quand même de monter. Hein. T'as l'air bien content. Hein. La vue est exceptionnelle. Pas question de faire la queue aussi longtemps pour Ghost Cemetery. C'est vrai que, regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la queue commence. Oui. La queue commence à être pas mal. Ils en ont pensé quoi là, l'équipe? Alors, je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau. J'ai vraiment apprécié Ghost Cemetery. Nice. J'ai envie de m'amuser, pas de faire les emplettes. Donc, ce qui revient souvent, c'est par rapport aux boutiques souvenirs. Insanity a l'air trop cool. Insanity, c'est lequel? C'est celui-là. Ok, bah écoute, fais-le parce que personne ne compte le faire. Ah si, il y en a un là. Il y en a un qui rentre dans la queue. Je n'arrive pas à croire que la queue pour le clown tueur soit si longue. Ah ouais, elle est si longue que ça? Oh merde. Ah non, il y a personne, regarde, il y a personne. Oh bah ça va, regardez bien. Oh, mais c'est que ça commence à rentrer, dis-moi. Ça dit quoi par ici?
Cet endroit est tout simplement génial, merci. C'est vraiment pas cher. Oh, entrée pas chère. Entrée pas chère. File d'attente impressionnante. Bon, je crois que le clown tueur, ils sont ravis de la file d'attente. Alors voyons voir une fois dans le coaster. Est-ce qu'on peut aller choper peut-être des cartes là, par exemple là, voilà. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils vont avoir peur là-dedans là? Attends, j'allume la lumière. Ça leur fait peur ou pas? Pas question de faire la queue aussi longtemps. Bah, là vous êtes dans le manège. Hein. Entrée pas chère, clown tueur raisonnable. Clown tueur est vraiment d'enfer. Là il va se chier dessus là normalement. Là normalement ça fait peur. Ça fait peur. Derrière ça dit quoi? Je m'amuse comme jamais. Ah, ça fait du bien ça. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Tout a l'air de bien se passer par ici. Voyons voir. Du côté oh là là, mais c'est, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Est-ce qu'il y en a qui font demi-tour là? Est-ce qu'il y en a qui font demi-tour? Ils font pas demi-tour. Ils sont très contents d'être venus. Ils sont très contents d'être là. Bon, ça servait à rien de faire plusieurs entrées visiblement, puisque tout le monde s'en fout. Oh là 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 là, ça commence à être blindé. Alors, personne ne prend à manger pour le moment. Personne ne s'est assis. Très bien. Ah, il faut pas oublier que c'est décoratif en fait. Ah, voilà, petite parenthèse. Alors là, par contre, je pensais pas, j'aurais peut-être dû faire plus grand parce que les gens se piétinent littéralement dessus. Bon, ça, j'avoue, c'est un petit peu exagéré. Plein d'énergie, je m'amuse comme jamais. Ah là là là, ça fait plaisir. Ceux qui reviennent du coaster, là, ça dit quoi, là, par exemple, toi? Je ne m'éclate pas assez pour vouloir acheter quoi que ce soit. Donc ça, c'est encore l'histoire de souvenirs. Quel parc magnifique. J'ai pas pu... Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Pas besoin de faire la queue. Je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau. Voilà, c'est toujours... En fait, c'est le seul défaut qui revient à chaque fois. En fait, personne... Tout le monde s'en fout de la boutique souvenir. Alors, il faut voir sur le long terme. Les gens vont peut-être acheter. Attendez, on va un petit peu accélérer la cadence. Est-ce qu'il y en a qui vont aller voir la boutique ou pas? Que dalle. Oh, non, que dalle. Voyons voir, est-ce que là, ils ont envie de... En fait, je pense que les gens ont juste envie de se barrer le plus vite possible de cet endroit, parce que c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus rassurant, forcément. Ça fait ultra flipper. Ah, c'est bien le but, hein. Ils ont pas envie d'acheter quoi que ce soit. Mais vous allez voir, à la fin de la soirée, je pense que les gens vont acheter. Oh, la queue de baiser. Oh, la queue de malade. C'est exactement ce à quoi j'attendais. Regardez, il y a de la fumée et tout. La fumée, c'est exactement l'ambiance que je souhaitais, que je m'imaginais quand il y aurait du monde. Oh, c'est incroyable. Bon, eux, ils vont péter un câble, à mon avis. L'entrée pas chère. Ok, ils sont contents. Le ticket d'entrée raisonnable. Pas cher. C'est le seul truc négatif, c'est pour les cadeaux. Ah, c'est cool. Ah, la queue a l'air carrément trop longue. Ouais, mais tu vas t'éclater. Tu vas clairement t'éclater. Bon, c'est pas rentable, hein, j'avoue, mais... Mais c'est comme dans la vraie vie. Des fois, tu... Hey, oh, frérot, tu vas au Alligator, tu fais une queue pendant 2 heures pour un truc de merde qui dure 2 minutes. D'accord? Voilà. Engager des vendeurs. Oh, mince. Plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs, mais où ça? Faudrait me les dire, où c'est qu'il n'y a pas de vendeurs? Alors, vous trouvez ça cher, ce truc? Vous faites tous la queue, bande de débiles! Hein? Vous êtes des pigeons? C'est grâce à vous que je suis riche. On a 2670 visiteurs. On a une belle cote, 16% satisfaction, et on a 23 000 de bénéfices. Je n'ai jamais eu ça sur MCO Park, hein, souvenez-vous. Mon tout premier parc, je n'ai jamais eu ça. Hein. Au contraire, à chaque fois, je m'endettais de plus en plus. Là, on a des vendeurs. Ah, là, il en manque un. Attendez, on va recruter des vendeurs. On a, on a de l'argent. Hein. On a de l'argent. Heureusement, c'est des saisonniers. Hein. Il y a plein de saisonniers motivés. Hop, je t'en mets un là. Hop, je t'en mets un là. T'inquiète pas. Bon, après, les gens n'ont pas spécialement envie d'acheter quoi que ce soit pour le moment. Donc, bon... Ah, là aussi. Ils sont tous en train de dormir. Ok. Vous en pensez quoi, les gars, de la qualité de la vidéo? Dites-moi en commentaire, parce que regardez comment j'ai un petit peu upgrade. Je ne sais pas si vous le ressentez. Ah, lui va au boulot. Elle aussi. J'ai un peu upgrade la qualité et je suis plutôt content. Je suis plutôt content. J'espère que ça se ressent. Et là, on a toujours des vendeurs, je pense. Non, ils sont partis. Je les mets. Et là, normalement, on devrait plus avoir aucun souci. Et ça... Et ça, c'est cool. Venez acheter des ballons, là. C'est quoi? C'est des ballons, là, je crois. Hein. Non, c'est des chapeaux. C'est sympa, des chapeaux. En plus, j'ai exprès pris des chapeaux qui font peur et pas des chapeaux, genre chapeau de Noël ou quoi. Non, ils s'en foutent complètement. Bon. Allez, on va faire des on-ride pour entendre les gens crier. Alors, je vous propose... Ah, voyons voir ici. Oh, nice. Nice. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mec? Attends. Non, mais toi. J'ai envie de m'amuser, ouais. Entretien régulier. Le sourire. Oh, il a eu peur. Il a eu peur. Pas question de faire la queue aussi longtemps.
La file d'attente pour Clunture. Mais il a peur. J'adore. Ils ont tous peur. Et la queue. Ouais, c'est vrai que la queue commence à être. Eh, ça va, hein. Elle est pas plus grande qu'avant, hein. C'est relativement fluide, hein. C'est relativement rapide. Oh, plus besoin de toi, monsieur. Ça va, ça se passe bien, Michel. Ça a l'air de bien se passer. Bah venez, on va faire un petit on-ride de celui-là, là. On va faire un petit on-ride de celui-là avec le nouveau wagon qui vient d'arriver. On va les voir rentrer, là. Incroyable. Regardez comment il va se remplir vite. À une vitesse hallucinante, quoi. Ok, c'est déjà fini. On va rentrer dans le wagon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le numéro 2. On va prendre le siège. Voilà, magnifique. Regardez, ils tremblent. Ils sont en train de trembler. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis tellement heureux, les gars. Tout cet aboutissement. On se régale. Regardez, ils sont en train de trembler. Ah non, mais en fait, ils sont en train de se pisser dessus, surtout. C'est ça ce qui est bien dans les parcs horrifiques. C'est qu'en vrai, ils ont envie de faire pipi. Parce qu'ils ont fait la queue depuis trop longtemps. Oh putain, regardez, on voit toute la queue d'ici, eh. J'avais jamais capté. C'est incroyable. Oh, j'ai pensé à tout, moi. J'ai pensé à tout sans faire exprès. Ouais, levez dans l'air, faites votre pipi dessus. Ah, ils ont envie de pisser, mais du coup, c'est parce qu'ils tremblent de peur. Ouais. Oh, j'adore. Et ça change vraiment tout, hein, avec les gens dedans, hein. Le fait qu'il y ait les visiteurs, ça change vraiment tout, hein. Regardez la file d'attente pour le manoir hanté juste en dessous, juste à côté. C'est absolument légendaire. Salut. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et hop là. Et on passe en dessous des gens. Salut. Un petit peu timide. Un petit peu timide les levées de main quand même, hein. Incroyable. Ah, je suis content. Ah là, je suis content. Franchement, je suis content de voir ça. J'ai l'impression d'avoir régalé des vrais gens. Pour être très honnête avec vous, je suis refait. Et regardez les gens qui s'amassent. Eux, ils disent quoi là, ceux qui viennent de ressortir là. J'ai envie de m'amuser, pas de faire les emplettes. Pareil. Gîte de la sorcière a l'air génial. Bah, un peu cher apparemment, n'est-ce pas? Ah, je suis un peu rancunier, ouais. Je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau. Ouais, ils ont vraiment problème avec les cadeaux. Je pense qu'on va arrêter de relever ce fait. Niveau notification, ça dit quoi par ici? Bah, c'est les boutiques, donc ça c'est fait. Bilan de fin de mois, je crois qu'on est plutôt pas mal. Voilà, ça n'a pas bougé. C'est vrai que les boutiques et services coûtent cher et nous rapportent pas beaucoup. Mais c'est les attractions, en fait, pour le coup, qui rapportent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oh, regardez la queue. Regardez-moi cette petite queue. Ça va, elle est pas si longue que ça, sachant qu'il y a beaucoup de place quand même. Hein? J'ai bien fait d'avoir mis ce prix, hein. Je sais même plus à combien je l'ai mis, mais... Plein d'énergie. Et oui, c'est un entretien régulier, mon pote. Et oui, mon pote, on rigole pas. Ah, il y a un temps d'attente plutôt long pour le clown dance. Ah, le clown dance juste... Eh, oh les gars, commencez pas. Eh, frère, regarde la queue. Ça va. Franchement, il y a quand même bien pire. On va faire après un POV, là. On va faire un POV avec eux parce que c'est vachement fun. Oh, il y a un voleur. Hop là, ça dégage. Rentre à la maison. Alors, j'ai mis des agents de sécurité. Il n'y en a que 3, je crois, dans le parc. Mais il y a aussi, surtout, beaucoup de caméras de surveillance. Je vous le rappelle, j'en ai mis pas mal un peu partout. Donc, vraiment, ça fonctionne très, très bien. Voilà, il y en a vraiment un peu partout. Et ça, c'est cool. Allez, on va faire un petit POV, là. C'est trop stylé. On va prendre une nacelle où il y a quelqu'un. Je sais pas où c'est qu'il y a quelqu'un. Ah, là, c'est bon, je suis dans un corps de quelqu'un. Oh, ça va être génial. Oh, ça va être génial. Fermeture des barrières. Et on se régale. J'adore. J'adore. J'aurais pu mettre le son plus fort finalement des haut-parleurs. Ah là là. Et c'est parti, ça flash dans tous les sens. Désolé si ça vous donne la gerbe, hein. C'est le principe.
Allez, levez les mains là, vous êtes timides. Voilà. Ouais, on continue. J'adore. J'adore. C'est quand qu'il y a le feu là? Ça va être là le feu, non? Ouais, il y a le feu. C'est Johnny. Bon allez, bref, excusez-moi pour la gerbe occasionnée. Incroyable. J'adore ce qui se passe, messieurs, dames. J'adore ce qui se passe. Les gens font la queue jusqu'au début, voilà. Est-ce qu'il y en a qui se sont posés, qui ont pris à manger, à boire? Que dalle. Les gens ne se nourrissent pas. Les gens ne se nourrissent pas. Les gens ne vont pas aux toilettes non plus. Ah, eux, ils vont où, là? Attendez, ils vont se mettre sur un banc? Ah, non, ils jettent à la poubelle quelque chose. Très bien élevé. Ah, on a des gens qui sont posés, là. On a des gens qui sont posés, ça, c'est pas mal. La danse des sorcières. On va pas faire un ride. Ils en ont pensé quoi? Looper doit vraiment déchirer. La file d'attente était courte. Mais ils sont tous contents, hein, franchement. Hein. On va regarder après de manière poussée. Ah, j'avais oublié ce flat ride là. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Tout simplement génial. C'est le plus beau jour de ma vie, mais t'as bien raison, mec. T'as bien raison. Est-ce que les gens font ces... Oh oui, il y a de la queue là! Mais c'est qu'il y a de la queue pour ce truc là. Mais là aussi, il y a un petit peu, là, ça commence à venir là. Oh, c'est un... Et... What? Par contre, je pensais pas que ce truc de merde là. Je pensais pas que les gens allaient autant le kiffer. Hein. Pareil, il y a une caméra ici. Et puis alors là, c'est que de la pépite. Voyons voir un petit peu on-ride ce qui s'y présente. Ah, c'est des petits enfants. Ouais. Allez, on lève les mains, ouais. Non, lève pas les mains. Et on a rien à foutre. D'ailleurs, petit easter egg, les amis. Regardez le petit easter egg. Regardez. Je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur du gîte de la sorcière. Et regardez bien. Est-ce que vous reconnaissez, messieurs, dames? Est-ce que vous reconnaissez, messieurs, dames, ce que je vous montre? Et voilà, les abonnés fidèles. C'était un clin d'œil pour vous. Voilà, voilà. Toi-même, tu sais. Et bah, c'est à l'intérieur du gîte de la sorcière. Voilà, tout simplement pour le petit clin d'œil. Par ici, qu'est-ce qui se passe? Là, voyons voir. Hop. Est-ce que je peux sectionner? Ça va, les gars? Bah, y'a personne. Il est tout seul, le mec. What? Oh non, il est tout seul. Mais c'est trop nul. Ça devrait être interdit, ça. Ouais. Oh, ils sont en train de kiffer leur life. Wow. Te cache pas les yeux. On lève les mains. Incroyable. Incroyable. L'autre qui arrive. Très bien. La belle petite queue. C'est sympa. C'est sympa, tout se passe au mieux par ici. Tout se passe au mieux par ici. Tout se passe au mieux par là. Le manoir hanté, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y en a qui se posent là? Non, tout le monde s'en fout. En fait, vous voyez, les gens ont peur. What? Cet endroit est spectaculaire. Ils sont en train de courir. Eh, vous cassez pas la gueule, hein? Non, mais vous cassez pas la gueule. Là, ils vont aller au clown dance là. Tu m'étonnes. C'est tellement stylé. Ils vont se casser la gueule. Je vais les voir se casser la figure, moi. Ah, ça y est, ils se sont calmés. Mais les gens ont peur de rester là-haut, vous avez vu? Ah bah voilà, il suffisait d'avoir un contre-exemple. Ah, il a acheté une couronne. Merci aux clients fidèles. Parfait. Bon, ça dit quoi là-dedans? Oh là là, attends, là il y en a qui vont râler, hein. Là, mon pote, si on va chercher ici, ça va râler. Ah non, même pas, le mec s'amuse. Ouais, ils viennent de rentrer. Par contre, si tu prends ceux au milieu de la file d'attente, la file d'attente est un vrai régal. Mais non. Mais les gens sont heureux de faire la queue, mec. What? Les gens sont heureux de faire la queue. J'ai jamais vu ça. Mais c'est... Non, c'est incroyable. Ah, la file d'attente n'avance pas. Voilà, il en fallait bien un quand même. Il en fallait bien un. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Venez, on fait un raid. En plus, j'ai pris le POV de Jacqueline. C'est Jacqueline, elle. Jacqueline et Pierrot. C'est Jacqueline et Pierrot. Tu sais que j'ai oublié à quoi il ressemble, le manoir hanté.
j'ai rajouté quelques petites choses, il y a des caméras, il y a des lianes, des petits éléments par-ci par-là. Bonjour la queue. Oh, je me suis fait peur tout seul. Ça me fait peur. Oh les gars, j'ai réussi à me faire peur, premier degré. Eh Pierrot, t'as kiffé ou pas? Mais non, mais c'est une femme. Oh mais c'est Jacqueline, pardon. Oh mais en plus regardez, on voit le coaster juste là. Non mais hey, j'ai pensé à tout sans y penser. J'ai pensé à tout sans y penser. Alors est-ce qu'elles ont kiffé les mémés là? Parce que des mémés qui font des trains fantômes, c'est quand même Là elle va faire clown tueur. Ah ouais, elle a peur de rien elle hein. Attends, et Pierrot là, combien de temps va falloir faire la queue? Ah, c'est bon, c'est fini. Bon, la queue est vraiment bien décorée, ça fait plaisir. Eh mais tout se passe vraiment bien. Bon là vous avez vu, j'ai pas fait d'effort hein, pour le coup. J'ai vraiment pas fait d'effort. Est-ce que... Oh, il y a tout qui fonctionne, mais c'est incroyable. Est-ce que les mémés vont aller boire un coup ou pas? Je pense pas, puisqu'elles vont direct au prochain coaster. Ah! Ah! Elles vont se poser. Jacqueline, c'est la première assise. Elle a besoin de s'asseoir. Et puis là, ça va se commander à boire de l'eau. Très, très bien. Très, très bien. Boire de l'eau, c'est important. Oh! Ça, c'est merci aux clients fidèles, hein. Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons. Mais il n'y en a pas de passes prioritaires. Rage pas, frérot. Ah bah si, il y en a à l'accueil pour faire des guichets, mais c'est vrai que du coup, ils sont pas utilisés. Allez, buvez de l'eau. Mais n'oubliez pas d'ouvrir le bouchon. Oh putain, eux aussi, ils vont prendre à boire. Ah ouais, eux, ils prennent des vrais sodas, eux. Eux, c'est des vrais. Eux, c'est des vrais. Ah, c'est super sympa, je suis content. Ah là, je me régale. Je pensais pas que j'allais autant kiffer regarder des gens sur mon propre parc. Tu vois, quand t'as taffé sur le truc... Et que tu vois après comment ça fonctionne et que ça fonctionne surtout bien. Oh bah. Ah bah voilà, on est repassé dans le négatif. On est repassé dans le négatif à cause des boutiques et services. Hein. Ah ça c'est pas cool hein. Ah oui, l'euphorie, bah oui, y a plus personne qui rentre aussi. Tout le monde repart déjà. Alors ils en ont pensé quoi? La sécurité de ce parc est formidable, ils ont attrapé l'individu qui m'a fait les poches et récupéré tout l'argent qu'il m'avait volé. Rien à redire sur la sécurité, pareil, bah c'est des victimes bolos, regardez. Ce groupe, c'est des victimes bolos. Oh! Eux, ils arrivent. Incroyable. J'espère qu'ils vont kiffer. Oh, mesdemoiselles, jolies fesses. Ça dit quoi? Je m'éclate. Je m'éclate, tu viens à peine de rentrer. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et te b? Ah, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et là, au moins, il n'y a pas trop d'attente. Je m'étonne de quoi? Il s'étonne de quoi? J'ai pas eu le temps de dire. La queue est trop longue pour le clown tueur. Mais ils adorent. En fait, c'est un régal pour leurs yeux. Et je suis content parce que c'est vraiment l'effet escompté, quoi. C'est vraiment l'effet escompté. Ah, je suis content. Et le clown ici. J'adore. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je me régale. Je sais même plus où donner de la tête, en fait. Je sais plus où donner de la tête. Est-ce qu'il y en a qui font les machines à pinces, là? Que dalle. Personne joue aux machines. Bande de nullos. Vous savez pas ce qui est bien? Un petit souvenir là. Allez-y, venez, un petit souvenir. Ah putain. Oh, attends, il me paraît suspect. Venez, on essaye d'attraper les voleurs. Ah, il est allé aux toilettes lui. C'est pour ça qu'il était en train de se secouer le sgeg. Eh, hey, mais c'est Cadmerad. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Cadmerad? Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, les visiteurs pensent que l'attraction machin trop longue. Le clown dance toujours. N'importe quoi, frérot. Regarde comme c'est rapide. C'est ultra rapide, là. Vous êtes des frustrés de la life. J'ai jamais vu une queue aussi petite. Hein? Est-ce qu'ils en disent autant, eux? Eux, ils se régalent, là. Regarde. Le ticket est raisonnable. Ah, il n'y a pas de distributeur de billets. C'est peut-être pour ça que les gens vont pas aller acheter à manger et tout. Je suis débile. J'ai oublié de penser à ça. Bon, bah, c'est pas grave. Un petit défaut, Heureusement que sur mes autres parcs, j'y pense. J'ai l'impression que la queue pour Ghost n'en finit pas. T'as bien raison. Est-ce que là, ils ont peur, là, du coin, là? Parce que ça fait peur, ici. Non? Ça fait hyper longtemps, mais t'inquiète. Tu vas te régaler. Alors? Ouais, bon, il y a toujours des problèmes avec ces emplettes. J'aimerais trouver un endroit pour m'asseoir. T'inquiète, il y a des bancs partout, frérot. On n'est pas serrés comme des sardines. Bon, j'aurais pas dit ça comme ça. Frêle. Ah c'est cool, en tout cas ça se passe super bien. Donc là on est plutôt pas mal. Par contre on est vraiment sur du moins 10 000 $. Donc là on est quand même sur de nouveau du déficit. En fait je pense qu'il faut ouvrir le parc et vite le refermer dès qu'on a l'argent et on les vire tous. Bah c'est qu'il y a du monde là par ici.
c'est qu'il y a du monde. Très bien. Ah, ça ressort des toilettes. Ça ressort des toilettes, très bien. Regardez comme ils ont peur. J'adore. Tu les vois sursauter. Il se passe plein de choses. Là, il y a des bancs, les gars. Installez-vous. Voilà, faites comme chez vous, à un moment donné, je veux dire. Bah. Oh, c'est trop mignon. C'est le petit enfant qui a dit à ses parents, moi, je vais faire le tour du manège. Et alors, du coup, il est parti. Voilà, monsieur. Je m'humecterai bien le gosier. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Sumecter. C'est-à-dire genre manger, c'est ça? C'est super sympa, je suis content. Bon, un peu déçu que les gens... Ah! Nice! Yes! Ils ont acheté leur masque Halloween! Ah, ça fait plaisir! C'était le dernier truc que je reprochais, c'était que les gens n'achètent pas. Et finalement, si, les gens consomment. Voilà, chapeau de sorcière. Voilà, ils ont compris comment ça fonctionne. Ça y est, ils commencent à récupérer à boire. Regardez, c'est bon. Regardez, moins 725. Les bénéfices vont remonter parce que les gens commencent à consommer. Forcément, les gens, ils sont tous rentrés. Ça nous a fait plein de thunes. Mais ils se sont tous précipités sur les attractions. Et donc après, les bénéfices ont diminué. Mais là, maintenant, ils vont tous consommer. Et donc la consommation, voilà, regardez, la consommation. On va arriver au point où il n'y aura plus assez de bancs, de toute façon, à un moment donné, vous allez voir. Parce que les gens, ils vont pas tous partir tout de suite. Ils profitent là des coasters et après, forcément, ils vont un petit peu se régaler, ils vont se rincer la bouche, manger, consommer. Voilà, ils font que de consommer. Et ça fonctionne très bien, regardez la trappe touriste. Hop là, le petit piège. Hop là, ils y vont tous. Incroyable. Incroyable. Les gens montent même les escaliers exprès. Exprès. Exprès pour aller là. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, messieurs, dames. C'est incroyable. Un petit on-ride. Ouais. Ça va, Sarah? Ouais. Ouais. On va du tout, mais c'est cool. Ça, c'est pas un truc qui me fait kiffer dans la vraie vie, hein, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, ce truc-là, si je puis me permettre. Hein. Autant ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Ok. Ah, venez, on fait un on-ride. Enfin, un on-ride, tu m'as compris. Ouais! Let's go! Les flashs stroboscopiques made in Mkolo. Enfin, made by Mkolo. Ça flash! Insane. Ouais! Sans les mains! Incroyable. Je passe du bon temps. Ah là, j'adore. J'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Regardez, ça consomme, ça consomme, ça consomme! Ça consomme sec, ça consomme sale, ça fait de la moula, ça fait de la moula. Et regardez, et hop là, des chapeaux crânes, let's go. Bien sûr, la petite carte postale qui fait plaisir toujours. Ah, oh, c'est de la régalade, c'est de la régalade. Juste ce côté-là est un peu délaissé, je trouve. Bien dommage, hein. Ce côté est délaissé. Bon, au moins la queue ici fonctionne très très bien. Bon bah les gars, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Moi, franchement, je me régale. Je vais vous laisser avec des petites cinématiques bien caliente. Et franchement, je compte sur vous pour m'exploser la barre de like. Profitez bien d'Halloween. Franchement, les gars, c'est une fois par an. Et c'est sympa. Voilà, donc profitez d'Halloween. Faites attention tout de même, évidemment, si vous sortez, etc. Voilà, faites pas non plus de débilité. Vous mettez pas en danger pour rien. Et voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Profitez bien. Vive Halloween. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Bon dimanche, soir. Ciao tout le monde.